Alors, Denis, aujourd'hui, on fait dans la douceur. Voilà, un moelleux aux cerises. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes, donc nous avons confectionné 4 ramequins. On a 400 grammes de cerises. Voilà. On les a lavées. On a retiré les noyaux, donc sont dénoyautés, c'est important. Alors, on commence par verser un demi-litre d'eau. On fait le sirop, la demi-gousse de vanille et les 150 grammes de sucre en poudre. Voilà. Alors là, on le porte à ébullition. Le sirop est à ébullition. Oui. On y plonge les cerises et on les poche 2 minutes à faible ébullition. Voilà. Les cerises ont 2 minutes d'ébullition, voilà. Faible ébullition. Voilà, on les retire du feu. On les laisse refroidir à température ambiante. Denis, les cerises sont froides. On rajoute dessus 50 grammes de liqueur de cerise. On allume le four et on le préchauffe à combien? 180 degrés. On a 150 grammes de chocolat coupé en tout petits morceaux, voilà, hein, presque haché. On le met au bain-marie, voilà, et on va le faire fondre. Tout à fait. Donc quand le chocolat commence à fondre, on peut le remuer un tout, voilà, petit peu. Il ne faut pas trop chauffer le chocolat. Là, il est fondu, là, Denis, non? Voilà. On va pouvoir additionner donc les petits morceaux de beurre. 30 grammes. 30 grammes, coupés en petits morceaux. Et bien froid. Au bain-marie, voilà, feu éteint. Tout à fait. Là, il est incorporé. Voilà. Et après, donc, on va verser le jaune d'œuf. Et juste mélanger. On a mis 5 blancs dans un saladier et maintenant on va les fouetter pas trop ferme. Doucement au départ et un peu plus vite en fin de montage. Doucement. Là on rajoute 30 grammes de sucre en poudre. Voilà. Notre masse de chocolat est encore tienne. On va donc détendre un petit peu la masse de chocolat avec des blancs. On mélange. Là, on va reverser sur la masse de blanc. On va additionner la farine en pluie. Et là, il y a 15 grammes de farine. Tout en mélangeant toujours. Notre masse de chocolat est prête. Les cerises sont égouttées. On va disposer. Je vais garnir le fond. Voilà. Et on va disposer au fond. Les cerises. Cerises, mais en deux fois les cerises. On va déjà mettre 6 dans le fond. 6 dans le fond. Un peu de masse à moelleux. 5 cerises sur le bord. Et pour terminer, on va recouvrir. Il reste plus qu'à les cuire. À 180 degrés, une trentaine de minutes. Avec toi, Denis, c'est la cerise dans le gâteau. Et voilà, au revoir. Et bon appétit, bien sûr.